Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Parmi les acquis de la législature passée, ce que l'on appelle avec beaucoup d'affection, on dit les consolider les acquis. Donc parmi les acquis de cette législature passée, il y a certainement, et croyez ma foi de journaliste, une réforme majeure dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est fondatrice en ce qui me concerne, de changement radical dans la gestion des finances publiques dans notre pays. Vous allez vous rappeler qu'au mois de janvier 2022, le gouvernement de la République, dans sa réunion, sa 38e réunion, avait reçu le projet de la mise en place d'une nouvelle direction, cette direction qui s'appellerait la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Ça paraît simple, mais c'est une rupture majeure dans le fonctionnement de nos finances publiques qui était voulu. Quelque temps après, par décret, la Direction générale du Trésor et de l'entreprise publique, la DGTCP, a été créée et les animateurs ont été placés après concours, évidemment, pour recruter les hauts dignitaires, hauts fonctionnaires. Qu'est-ce qu'il passé depuis? Cette réforme a-t-elle fonctionné? Qu'est-ce que nous pouvons dire après 2 ans de fonctionnement? Est-ce que la DGCTP a-t-elle impacté la vie au quotidien des citoyens congolais parce qu'elle était voulue ainsi comme une rupture avec les mauvaises habitudes et une consolidation des acquis? C'est pour en parler un tout petit peu, parce que beaucoup ne connaissent même pas la DGCTP. C'est normal parce que c'est des fonctionnaires qui ne parlent pas beaucoup, ils sont dans les chiffres et ils n'aiment pas la caméra. Il faut forcer les portes pour que ces fonctionnaires puissent parler. J'ai donc l'honneur et le plaisir de recevoir le numéro 1 de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, le professeur Thomas Maketa Lotete, qui est notre invité. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Willy Kalingaï. Vous avez donc accepté de venir et il faut dire que j'ai battu les planchers pour vous convaincre de venir. Pas parce que vous ne voulez pas, parce que vous êtes un homme très occupé. Vous êtes effectivement professeur et docteur en sciences économiques. Vous avez travaillé comme haut fonctionnaire dans beaucoup de projets, notamment des projets financés par les Nations Unies. Vous êtes venu au pays donc pour apporter votre contribution et, Dieu faisant, vous avez été mis à la tête de cette direction. Je peux m'inquiéter parce que je me dis, 2 ans après, la direction n'a pas encore montré ses grandes couleurs, sa force, son impact dans la vie au quotidien. Parce que des finances publiques, on entend trop de choses qui ne sont pas bonnes. Aujourd'hui, nous avons gagné un peu ce qu'on appelle la médaille du pays où il y a beaucoup de détournements. Or, il ne peut y avoir de détournements que là où les yeux de ceux qui contrôlent sont ailleurs. Vous avez été aussi mis en place pour que les finances publiques se passent dans la clarté, dans la transparence. Et que l'impact nocif de certains citoyens soit réduit à néant. C'est comme ça, je voudrais donc vous remercier de votre présence ici et nous dire déjà, dès le départ, si nous ne sommes pas trompés, quelle a été la volonté du chef de l'État, de son gouvernement, finalement du législateur, parce qu'une loi est venue après, quelle a été la volonté des dirigeants en mettant en place la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, parce qu'il y avait déjà une direction du Trésor. Pourquoi avoir créé cette nouvelle direction? Merci beaucoup pour la question. Je crois qu'effectivement, votre question a tout le mérite. Beaucoup de gens se posent cette question. Pourquoi la DGTCP? Tout d'abord, il faut tenir compte aussi un peu de notre contexte. Notre pays est en train d'évoluer. Nous avons commencé avec des budgets à 4 milliards, nous sommes arrivés à des budgets à 6 milliards, nous sommes en train de monter à des budgets qui vont bientôt, je l'espère, même arriver dans les 20 milliards. Ces budgets ne peuvent pas être gérés de la même façon. À un certain moment, plus les montants augmentent, plus les possibilités de détournement augmentent. Et il faut maintenant une entité crédible qui est capable de pouvoir gérer les flux de bout en bout et s'assurer que les deniers publics ne sont pas dépensés, qui ne sont pas coulés. C'est ça le rôle de la DGTCP. Le rôle de la DGTCP, c'est de s'assurer que tout franc congolais
qui viennent de taxes. Et ça, c'est d'argent public. Parce que l'argent public, c'est l'argent que nous payons à travers nos impôts. Et les taxes. Et les taxes. Ce sont, c'est votre argent, c'est mon argent. Cet argent-là doit bénéficier à tous les Congolais. Et il doit être géré à travers certaines normes. Et c'est ça le but de la DGTCP. Mettre en place les structures, mettre en place les procédures qui permettront de pouvoir assurer de cette traçabilité et que beaucoup de situations malheureuses que nous connaissons actuellement ne puissent plus se répéter. Alors, quand nous lisons la littérature sur la question, notamment les décrets, il est dit que la DGCTP est chargée de garantir l'enregistrement comptable de toutes les transactions financières de l'État et de produire les états comptables et financiers. Mmh. Alors, il y avait effectivement, l'État fonctionnait avec les délégations de trésor. Quels sont les instruments dont vous vous dotez pour pouvoir d'abord enregistrer toutes les transactions financières? Vous faites comment? Vous vous déployez ou passez sur toutes les dents de la République? Et je suppose que les actes posés dans le domaine des finances, chaque jour, c'est des milliers d'actes. Vous faites comment? En tout cas, merci pour cette question. Et là, ça va répondre aussi un peu à ce que vous nous avez posé comme question. Qu'avons-nous fait? Vous ne nous sentez pas. Il y a une chose que vous devez comprendre. Tout building commence par des fondations. Et malheureusement, ces fondations, on ne les voit pas. Lorsque les gens descendent sous terre à quatre niveaux pour faire des fondations solides, qui vont soutenir un immeuble à 20 à 30 étages, parfois les gens ne voient pas ces fondations. Et c'est ce que nous avons commencé. Lorsque nous sommes arrivés à la DGTCP, la première chose que nous avons fait, c'est un état des lieux. Comme vous le dites, la comptabilité se faisait dans ce pays. La gestion de la trésorerie se faisait et se fait encore dans ce pays. Maintenant, nous devions tout d'abord comprendre, parce que il faut aussi quelque chose que je voudrais soulever. Le rôle de la DGTCP n'est pas simplement au niveau national. Le rôle de la DGTCP, c'est au niveau national, au niveau provincial. Même et territorial. Territorial et dans les postes diplomatiques. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas commencer sans tout d'abord faire un état des lieux. Tout ce qui est fait n'est pas mauvais. Tout ce qui est fait n'est pas aussi très bon. Donc, il fallait déjà faire un état des lieux et de comprendre. La première chose que nous avons remarqué en termes de comptabilité, c'est qu'actuellement, nous n'avions aucune visibilité sur tous les comptables à travers la République. Malheureusement, je suis arrivé et dès que je suis arrivé, beaucoup de réalités, beaucoup d'abus. J'ai commencé à constater beaucoup d'abus de la part de certains comptables. Et lorsque je suis entré, je me suis rendu compte que c'est pourquoi, c'est parce que justement, il n'y a pas de traçabilité. Il n'y a aucun outil moderne qui permet de suivre l'argent au niveau de la caisse de la Banque centrale jusqu'au paiement. Tout ça, ça n'existe pas. Et c'est sur ça que nous avons dit, nous nous sommes dit que voilà la première chose que nous devons faire. Nous devons mettre en place un outil qui nous permette d'avoir une visibilité totale sur les fonds, sur toute la République. Cet outil, nous l'avons commencé, je crois, une semaine après que nous soyons arrivés ici. Aujourd'hui, nous sommes au point de la validation. C'est-à-dire que nous sommes en train de valider cet outil. Il y a beaucoup de travail qui s'est fait. Nous avons eu le concours du FMI, de la Banque mondiale, et qui nous ont envoyé des experts. Et surtout, je tiens à insister, des experts congolais. Parce qu'il y a beaucoup d'experts congolais qui sont là, qui sont prêts aussi à mettre leur intelligence. Alors, c'est cet outil, c'est entre la comptabilité et l'informatique. C'est quel type d'outil? C'est une digitalisation, c'est quoi? Effectivement, c'est une digitalisation. C'est une digitalisation qui permet de faire la comptabilisation de toutes les activités de l'État. Et c'est là où je vais arriver à votre deuxième question. Vous me parlez de plan comptable, de plan financier. D'accord. Le but, c'est de pouvoir toute activité, lorsque un contribuable paye, ce paiement doit être comptabilisé par le Trésor public. Lorsque nous payons, il y a toute une chaîne de paiement. Nous devons savoir à quel moment, où sont dans la chaîne toutes les demandes de paiement. Lorsque nous payons, nous devons savoir aussi, parce que nous payons à travers la Banque centrale, nous devons savoir est-ce que c'est encore à la Banque centrale, est-ce que c'est arrivé chez le comptable, est-ce que c'est arrivé dans le compte en banque. Lorsque c'est chez le comptable, nous devons savoir que le comptable tel a reçu tel montant dans sa caisse. Et maintenant, le comptable devra justifier ces montants. Actuellement, ça veut dire qu'il aura un outil, voilà autant d'argent qui est entré dans sa caisse, il prend toutes les feuilles, les documents justificatifs, il les introduit dans le système pour justifier ses fonds. À partir de là, nous pouvons même faire des contrôles en étant loin, parce qu'on a ce qu'on appelle l'inspection des services du Trésor.
qui est un corps d'inspecteurs qui contrôle les comptables. Actuellement, comment ça se passe? Ils sont obligés d'entendre un écho et puis vite, ils vont chez le comptable parce qu'ils n'ont pas de visibilité. Nous leur avons doté cet outil qui permet de savoir déjà en temps réel. Qu'est-ce qui se passe dans chaque comptabilité? Effectivement. Alors, évidemment, que deviennent les chaînes de la dépense et de la recette au regard de l'intervention de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique? Ça, c'est vraiment aussi une très, très bonne question. Il faut comprendre que nous sommes la caisse. Notre rôle, c'est que nous sommes caissiers de l'État. Ce n'est pas la Banque centrale qui est caissière. La Banque centrale est gardienne de fonds. Ah, donc la Banque centrale garde les fonds. Garde les fonds. Mais la caisse est gérée par la DGTCP. C'est comme ça que vous êtes le Trésor. Voilà, le Trésor. Nous sommes caissiers. Vous savez ce que l'État possède à tout moment. À tout moment. On devrait savoir. Ça veut dire que nous sommes caissiers, trésoriers, payeurs de l'État. C'est-à-dire qu'on a, un des buts de la réforme, c'est de faire l'unicité de la caisse et du trésor. Très bien. Alors, nous allons demander un peu à la perception que le public a des finances publiques. Nous avons dit que cette émission avait aussi une dimension pédagogique. Nous devons, nous qui sommes les contribuables, faire confiance à ceux qui dirigent notre argent. Mais pour que nous fassions confiance, il faut que nous soyons sûrs des mécanismes qui sont mis en place. Nous avons donc fait une petite enquête minute. Quelle est la perception que l'on a des finances publiques à notre pays? Je vous demande de suivre ça. L'enjeu majeur à la base, la défaillance au niveau des finances publiques, c'est l'exemplarité que doit afficher les gestionnaires de l'État. Voyez-vous, à chaque instant, les citoyens sont au courant des dilapidations des deniers publics, au courant des détournements des deniers publics. Et il ne s'ensuit rien au niveau de l'autorité judiciaire. Il ne s'ensuit rien. Les procès ont eu lieu par rapport au détournement des fonds publics. Mais tout de suite après, on a remarqué que toutes ces personnes ont été libérées. Là, on ne comprend pas, on a fait les droits. On ne comprend pas par quelle magie les gens dont les preuves ont été accablantes en matière de détournement ont été libérées. Et les gens se disent, à quoi bon payer? Alors que l'impôt, c'est le fondement des finances publiques. La perception que j'ai sur les finances publiques, parce que dans notre pays, nous n'avons pas vraiment la culture de l'impôt. Pour vraiment ménager l'assiette fiscale du Congo, il faut que l'État congolais puisse imposer un civisme fiscal à tout Congolais. Que tout Congolais s'acquitte de ce droit-là des finances publiques en payant des impôts. Parce que vous voyez que je peux donner quand même un exemple typique. Surtout ici à Kinshasa, par rapport à la gestion sur l'impôt foncier. L'impôt foncier, ça se paye rien que ici à Gombe, Kitambo, Ngaliema. Mais dans les feux fauverts Tchang, où il y a certaines personnes qui ne payent pas leur impôt foncier. Donc l'impôt foncier est pour tout le monde. L'impôt, c'est pour tout le monde. Un État, pour émerger, pour l'aménagement de l'assiette fiscale d'un État, c'est en moyennant le paiement régulier des impôts. Le finance publique, mon frère, est vraiment asphyxié. L'investisseur est vraiment asphyxié. Comment quelqu'un qui peut ramener son capital, chiffré à 1 000 000 $, tu arrives, pour avoir tel ou tel dossier, il faut débourser le pot de vin, avant même que tu commences le boulot. Donc il faut sécuriser nos investisseurs, dans un premier temps. Ils ne sont pas sécurisés. Il y a eu autant de taxes. Or, trop de taxes tuent les taxes. Il faut sécuriser nos investisseurs et nos petits peuples qui sont sur place à la recherche d'un boulot. Si le monsieur, l'investisseur, constate que de gauche à droite, il y a des ponts, pots de vin qu'il faut glisser, il risque d'arrêter l'opération est retournée. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sécurisé. Voilà, nous revenons sur ce plateau. Nous avons pris comme ça au hasard des citoyens congolais. Chacun selon son ressenti. Vous avez certainement remarqué qu'il y en a qui ont insisté sur le civisme fiscal, d'autres sur les tracasseries, d'autres sur l'impunité. Et donc c'est un peu une échelle de perception. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Bon, ma réaction, tout d'abord, c'est comme vous l'avez dit, c'est le ressenti. Ouais. Et le ressenti est important.
Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Lorsque les personnes ressentent le contraire, c'est que vous n'avez rien fait ou que vous ne faites pas assez. Et pour moi, c'est une interpellation. Mais il faut aussi bien comprendre le rôle de la DGTCP dans les différents points qui ont été élaborés. Par exemple, la dilapidation des deniers publics. Ça, c'est vraiment le rôle de la DGTCP. La DGTCP a deux corps. On peut dire qu'il y a trois corps principaux. Il y a le corps des comptables. Le corps de comptable, c'est un corps de contrôle. C'est un corps qui s'assure que toutes les dépenses, lorsqu'elles doivent être payées, qu'elles sont régulières, que les dépenses sont régulières. Elles sont bien passées par toutes les étapes. Les personnes qui ont l'autorité de signer doivent signer. Et donc, ça, c'est déjà un grand rôle que le comptable joue. Et d'ailleurs, on dit que le comptable est personnellement et pécuniairement responsable. Ça veut dire que le comptable a le droit de dire non à une dépense. Et si un comptable dit non à une dépense, même moi, le DG, je n'ai pas le droit. Parce que si ça passe mal, c'est lui qui paye. C'est lui, je crois que vous avez suivi dernièrement des comptables de la Cour des comptes. Oui. Parce que les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des fonds publics qu'ils manipulent. Ça, c'est déjà un premier contrôle que la DGTCP met. C'est le contrat, c'est le comptable. Nous savons aussi qu'actuellement, le comptable ne joue pas réellement ce rôle-là. Ça aussi, c'est une grande réforme que nous sommes en train de mettre en place sur la mise à niveau de tous les comptables et leur donner cette indépendance-là. Les mettre dans des conditions telles qu'ils peuvent se permettre de dire non lorsqu'il y a des activités qui ne répondent pas aux normes. Ensuite, nous avons un autre corps très important, c'est le corps des inspecteurs des services du Trésor. Eux, maintenant, ce sont les contrôleurs des comptables. Déjà, les comptables contrôlent. Mais eux-mêmes sont encore contrôlés par les inspecteurs. Contrôlés par les inspecteurs. Ça, c'est justement pour éviter cette notion de dilapidation des deniers publics. Ça veut dire que lorsque la DGTCP sera pleinement déployée et que tous les comptables que nous sommes en train de former vont commencer à travailler et que les lois et les textes qui accompagnent aussi, parce qu'il y a aussi certains textes qui vont changer, qui vont donner beaucoup plus de pouvoir aux comptables qui sont en rédaction, dès que tout ce package d'activités sera mis en place, je crois que vous allez vous sentir que beaucoup de dilapidations telles qu'elles se passent aujourd'hui vont disparaître. Il y a l'autre point, c'est la culture de l'impôt-civisme et le civisme fiscal. Là, nous travaillons de manière très étroite avec, moi ce que je les appelle, ce sont nos grandes sœurs, les directions générales des impôts, la direction générale, la DGDA, et la DGRAD. Voilà. Actuellement, nous avons déjà fait un tour de toutes ces directions générales pour voir comment est-ce que nous allons travailler ensemble toujours et pour le but d'augmenter le civisme fiscal et de mieux comptabiliser toutes les recettes qui rentrent. Nous sommes une nouvelle entité et vous voyez que parfois les textes, il faut bien les comprendre de part et d'autre. Nous avons des réunions qui se font chaque semaine avec les experts de la DGI pour l'instant, où nous sommes dans le processus final de faire notre protocole d'accord avec la DGI qui définit comment est-ce que nous travaillons. Parce que dans la réforme, tous les receveurs deviennent des comptables publics. Donc, ils deviennent aussi sous le contrôle de l'inspection des services du Trésor. Donc, il y a beaucoup de choses sur ce point-là. Mais comme vous le voyez, ce sont des réunions qui ont lieu, des réunions très techniques, qui se font avec énormément de sérieux, parce que justement, nous voulons faire quelque chose de qualité sur lequel on ne va pas revenir demain. Et ensuite, les notions de pot de vin sécurisé, les investisseurs. Bon, sur ce point-là, c'est plus le climat des affaires. Mais là, vraiment, comme on dit, bien que nous soyons importants au niveau du ministère des Finances, nous ne sommes pas tout au niveau des finances. Mais je sais que d'un point de vue, c'est un point qui est très important et que nous contribuons aussi. Il y a une commission du climat des affaires. Effectivement. Eux pourront justement, parce que là, on touche à la justice, on touche à l'armée, on touche aux services de sécurité. Nous sommes au sein du ministère des Finances. Nous, on s'assure qu'au sein du ministère des Finances, tout ce que vous avez relevé comme élément négatif puisse disparaître. Et c'est vraiment notre but que d'ici 2-3 ans, grand maximum, que tout ça, on y parle au passé. Alors, notre pays a beaucoup de problèmes. Même si vous êtes aux finances, vous n'êtes sans ignorer que, par exemple, nous avons énormément de difficultés, s'il y a des catastrophes qui arrivent, etc. Alors, cette réforme va-t-elle effacer le mot d'urgence dans les paiements de certaines dépenses, ou bien le mot d'urgence va continuer malgré que la forme est à côté? En fait, la réforme, elle, elle,
elle est contre le mot d'urgence ou pour ou qu'est-ce qui va se passer? Non, il y a tout d'abord, j'aimerais clarifier, c'est que la mode de procédure d'urgence est un mode qui est reconnu dans les documents de la chaîne de la dépense. Donc c'est reconnu. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut l'encadrer. Et nous, justement, c'est ça notre rôle. Un de notre rôle, c'est, tantôt j'ai parlé de caisse et le trésorier. Qu'est-ce que le caissier fait? Souvent, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des paiements, par exemple, de ce type-là? C'est que parfois, ce sont des paiements, il y a une catastrophe qui arrive, goma, éruption, et cette dépense n'a pas été prévue. Maintenant, une fois que la DGTCP est fonctionnaire, c'est notre rôle à nous, en tant que trésorier, de faire des prévisions, de savoir que bien qu'au niveau de l'État, nous avons les fonctionnaires à payer, nous avons nos investissements à payer, nous avons nos fournisseurs à payer et nous devons avoir un espace pour tout ce qui est imprévu. Et à partir de là, maintenant, c'est-à-dire que, et ça, c'est déjà un travail sur lequel nous sommes en train de travailler, faire des modélisations qui nous permettront que chaque fois qu'il y a un imprévu, que nous soyons capables. Donc, vous dites qu'effectivement, qu'il est possible de gérer le mot d'urgence en l'intégrant dans ce que vous appelez les imprévus. Donc, il faudrait donc garder un certain nombre de lignes budgétaires. Dans les cas où il y a quelque chose, ça ne perturbe pas la grande prévision. Vous savez, c'est vraiment difficile parce que toute réalité est indépendante. Parfois, il y aura des situations où ça devra se faire en mode d'urgence. Mais notre rôle à nous, c'est de s'assurer que ce soit des exceptions. Mais apparemment, évidemment, je ne veux pas vous acculer, mais quand je regarde les chiffres... Je sais que la littérature nous dit qu'il faut au moins 5% pour garder les mots d'urgence, mais les années passées, vous avez dépassé jusqu'à 20, 23, 4%. Vous savez, c'est les fonds monétaires internationaux qui les disent, hein, ce n'est pas moi. Les années passées, la DGTCP n'était pas aux commandes. Donc attendez que la DGTCP soit aux commandes. Mais il vous faut combien de temps encore? Parce que ça fait déjà presque 2 ans que vous êtes en train de travailler. Nous venons de fêter une année il y a 2 mois. Ça veut dire que nous avons une année et quelques jours, pas encore 2 ans. Je crois que vous voyez aussi un peu la situation actuelle qui nous freine un tout petit peu. Mais déjà notre plan de déploiement est là. Parce qu'effectivement pour le gouvernement c'est une urgence. Tout le monde, vous l'avez dit, le ressenti au niveau des finances publiques n'est pas très bon. Et notre rôle, c'est de changer ça. C'est-à-dire que nous devons commencer à travailler rapidement. Donc, nous attendons, c'est la mission que les autorités nous ont demandé, qu'il y ait un changement profond et que ce changement puisse se faire ressentir chez tous les Congolais. Et ça, déjà, nous avons déjà préparé le terrain. Nous attendons que, je pourrais dire que le gouvernement soit fonctionnel. D'accord. Que nous puissions discuter avec nos autorités, que nous puissions mettre en place toute la batterie d'action qui est prévue. Aujourd'hui, vous savez que la plupart des gens qui ont affaire à l'État, surtout les fonctionnaires, vous allez remarquer que dans la fonction publique, malgré l'augmentation de notre assiette fiscale, malgré l'augmentation du budget national, il y a des grappes entières des fonctionnaires qui se plaignent du retard des paiements. Comment on peut comprendre cela? Pourquoi le paiement des fonctionnaires, agents de l'État, ça doit être une des priorités. Je crois que justement, c'est tout ce que nous vous disons. Nous, en tout cas, à notre niveau, nous avons déjà des plans pour que ça cesse. Je crois que tout ce que nous attendons, c'est que la DGTCP puisse être mise en place et qu'elle puisse fonctionner. Il n'y aura donc pas de retard de paiement. En tout cas, c'est des retards de paiement pour nous, selon les modélisations que nous avons faites. Nous voyons qu'ils sont gérables. Et puis, comme je vous l'ai dit, en tant que trésorier, nous avons aussi des capacités. Si nous voyons que l'État, parce que nous, ce que nous faisons, ce sont des prévisions à long terme. Nous savons que, par exemple, je donne un exemple, qu'on attendait des régies financières 10 millions. Mais nous savons que, pour l'instant, ils ne peuvent disponibiliser que 5 millions. Mais que la paie des fonctionnaires est... Mettons 9 millions. 9 millions. Nous, déjà, ce sont des données que nous avons à la France et nous devons maintenant pouvoir combler à travers les obligations du Trésor et les bons du Trésor. Donc, toutes ces histoires-là, ce sont des mécanismes de trésorerie normaux. Pour que la trésorerie soit toujours fournie. Effectivement. Donc, vous avez des moyens de faire entrer l'argent de l'État. Quels sont ces moyens?
Quand vous dites faire entrer l'argent de l'État. Oui, faire entrer l'argent dans la caisse de l'État. Effectivement, nous, en tant que caissiers, c'est nous qui encaissons les moyens. C'est nous qui encaissons l'argent des régies financières. En plus, il y a encore une grande réforme qui est en préparation, c'est le compte unique du Trésor. Pour que tout l'argent du gouvernement, qui se trouve parfois dans les banques commerciales, et le gouvernement n'a pas accès, parfois le gouvernement est obligé de s'endetter. Alors qu'il a les disponibles, mais les disponibles ne sont pas à la banque centrale. À la banque centrale. Et là, maintenant, il y a aussi une très grande réforme sur le compte unique de trésor qui va justement s'assurer que les liquidités soient toujours là. Parce que lorsqu'on regarde les liquidités dont nous avons besoin pour honorer nos dépenses, parfois, nous avons beaucoup plus dormant dans les banques commerciales. Donc, alors, deux questions des téléspectateurs, parce que quand j'ai annoncé votre émission, j'ai annoncé sur la page Facebook, j'ai eu quelques questions, mais j'en ai choisi deux. Et la première, on m'a demandé de demander à mon invité qui est le gestionnaire du compte général du Trésor. Actuellement, le gestionnaire du compte général du Trésor, c'est le ministre des Finances. Très bien. Quels sont les pouvoirs du directeur, alors, de la DGTCP? Ok, pour répondre à cette question, je vais vous expliquer comment est-ce que, là, nous sommes dans le compte général du Trésor. Et nous sommes en train de migrer vers le compte unique du Trésor. Parce que là, il faut bien comprendre. Dans le compte unique du Trésor, c'est la DGTCP à travers ce qu'on appelle l'agent comptable central du Trésor qui devient la personne qui gère le compte unique du Trésor. Ça veut dire que c'est un changement majeur. Parce que l'autre changement majeur, c'est qu'il y aura aussi, avec le compte unique de Trésor, est en train de venir ce qu'on appelle la déconcentration de l'ordonnancement. Beaucoup de ministères se plaignent que lorsqu'ils ont des dépenses à faire, ils sont obligés de passer par le ministère du budget qui liquide, par le ministère des Finances qui fait traîner les choses et que parfois ça les empêche d'accomplir leur mission. Avec la déconcentration de l'ordonnancement, qui est une mesure qui a été prise par le gouvernement depuis l'année passée, là maintenant, chaque ministre sera responsable de son budget. Ça veut dire qu'il aura son package, il aura son attribution, ses attributions monétaires, et lui-même les gère avec son comptable. Et là, c'est ce qu'on appelle en finance publique l'ordonnateur et le comptable. L'ordonnateur donne les ordres de paiement, le comptable vérifie et paye. C'est vers ce système-là que nous sommes en train d'aller. Et avec ce système-là, et là je crois qu'il faut vraiment féliciter le gouvernement pour avoir pris cette initiative, là maintenant, le rôle du ministère des Finances et du ministère du Budget vont migrer vers autre chose. Vont, voilà. J'essaie de comprendre un tout petit peu cette réforme. Mm-hmm. Je sens que, bon, vous ne voulez pas le dire, mais moi, je vais quand même me permettre de réfléchir. Ramenez-moi sur la bonne route si ce n'est pas ça. J'ai l'impression que, au plus profond de la direction générale de ce pays, on a voulu dépolitiser la gestion des finances publiques. En la soyant sur l'administration des finances publiques. Si je me suis trompé, je me rends compte bel et bien qu'en créant le compte du Trésor, en demandant à chaque ministre de gérer son budget, en réalité, on évite les conflits qu'il y a entre les différents ministères. Alors, si c'est cela, ça pourrait aboutir, vous pensez? Moi, je crois que ça va aboutir. Parce que déjà, nous sommes en train de nous préparer pour ça. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de réformes qui sont en train de se préparer et la déconcentration de l'ordonnancement, c'est une réforme majeure qui, pour nous, doit aboutir. Je crois que nous avons jusqu'à la fin de l'année pour que les quatre, je crois qu'il y a huit ministères pilotes qui doivent commencer cette année-ci pour que d'ici décembre, les ministères puissent commencer à gérer leurs fonds. Voilà. On parle du budget programme. Mm-hmm. C'est quoi exactement? Bon, le budget programme, c'est toujours dans la même ligne d'idées. C'est dans la même ligne d'idées où nous avons un budget où qui ne sont pas un programme peut s'étaler sur plusieurs années. Il y a certains problèmes. Disons, il y a certains programmes. Mettons le cas de Inga, par exemple. C'est pas un programme qui va se faire sur une année. Donc, l'argent que l'on prévoit une année ne suffit pas. Voilà, ça va se faire sur plusieurs années. Alors maintenant, il faut que ça aussi, ça soit impacté dans le budget. Pour que tous ces programmes-là, qui se gèrent pendant sur plusieurs années, puissent aussi être intégrés, gérés. Un peu comme le programme 145 territoires, là. Ça s'étale sur quand même plusieurs années. Et là, maintenant, avec le budget programme donne les outils
de pouvoir gérer ce genre de programme pour qu'on ne se retrouve pas la deuxième année, il n'y a plus d'argent. Qu'on ne se retrouve pas. Donc, tout c'est un peu c'est ça le budget. Ça, vraiment, j'ai simplifié pour que nos téléspectateurs puissent comprendre. Il y a beaucoup de choses. Évidemment, on ne va pas... il est impossible de descendre un peu plus bas dans la vulgarisation. Il y a des choses qui restent techniques et nous ne pouvons pas faire autrement. Nous devons faire confiance aux experts. Alors, nous allons demander à notre régie, nous avons demandé toujours à nos amis quelle était leur perception. Ils l'ont donnée. Comment peut-on améliorer les finances publiques? Quelle est l'idée du citoyen lambda? Suivons cette deuxième partie. Les mécanismes sont déjà mis en place. Les mécanismes politiques, les mécanismes administratifs, les mécanismes judiciaires pour éviter toute dilapidation. Il suffit seulement de les appliquer. Donc nous devons avoir des leaders épris du patriotisme. Et c'est ça le secret. Parce que tous les mécanismes légaux et réglementaires existent en matière d'encadrement, de contrôle, même de suivi, tant en termes de perception que d'exécution. Donc il suffit d'avoir des autorités épris du patriotisme pour qu'ils donnent l'élan afin d'appliquer les lois. D'appliquer les lois, il n'y a pas de magie. Les Congolais ont réfléchi, les législateurs ont réfléchi. Les règlements d'application sont là. Il suffit seulement que l'autorité politique s'imprègne du patriotisme et applique la loi, il y aura la solution. L'exemple ne vient pas d'en bas, l'exemple vient d'en haut. Il faut qu'il y ait un suivi et faire un choix, et le bon. Une grande entreprise, par exemple, regarde Safricas. Safricas néglige pas le pot de vin. Hein. Et c'est 4, si c'est 4 millions, c'est 4 millions. Si tu te pointes là-bas, non, voilà, sur les 4 millions... Est-ce que vous pouvez nous... on peut récupérer un pourcentage ou quoi? Non, il dit pas question. Parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Faire un choix. Une entreprise, des entreprises au baï du boulot. Ce n'est pas des gens qu'on ramasse de gauche à droite que non, voilà, celui-là, il va faire autant de kilomètres de route. Quelqu'un qui n'a aucune expérience. Ce n'est pas normal. Donc, regarde Mbenseke. On a recruté, je ne sais pas quelle entreprise, et ils ont bloqué deux avenues. Benseke et en même temps, Ngouma. Mais dans tout ça, qui souffre? C'est le petit peuple. Vous bloquez deux avenues au même moment. D'une entreprise qui te prend au moins deux mois, trois mois. Quand c'est le 17, c'est le 17. Qu'on va... Pour le moment, avec la gouvernance actuelle de notre pays, qui est la République démocratique du Congo, le pays ne peut pas avancer en matière de finances parce qu'il n'y a pas vraiment du tout une gestion purement orthodoxe. C'est ce que nous demandons à notre maman, qui est là donc, c'est-à-dire la première ministre qui venait d'être nouvellement nommée, qu'il puisse mener une gestion orthodoxe en matière de finances publiques pour que notre pays puisse vraiment avoir une émergence là vraiment qui peut plaire à tout Congolais. Voilà, l'orthodoxie. Les choix des opérations sur terrain, les respects des lois, vous avez tout noté, vous avez une réaction? Bon, ma réaction, c'est que, effectivement, la première personne a dit qu'il faut des leaders épris de patriotisme, que les pots de vin, c'est mauvais, donc ça parle d'éthique, toujours que les personnes doivent avoir une certaine éthique. Et ça me rappelle quelque chose que j'ai compris, que j'ai observé lors de ma carrière, c'est que parfois, les meilleurs, vous serez étonnés, de la manière dont les meilleures lois sont appliquées par des personnes qui veulent les détourner. Ça veut dire que les lois, les textes sont importants. Mais effectivement, il faut une certaine volonté, il faut une certaine éthique, il faut un certain patriotisme. Si tout ça n'est pas là, peut-être tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les lois, on va regarder et puis on va dire, bon, voilà ce que dit la loi. Bon, comment on peut détourner ça? Donc il y a des experts en matière de détournement des lois, il y a des cabinets... Et spécialiste dans les détournements de la loi, en tordant les sens et tout ça. Effectivement. Et c'est pour ça que moi, ce que je pourrais dire, déjà le fait que la DGTCP soit là, ça montre déjà qu'au niveau du sommet de l'État, au niveau du président de la République, du gouvernement, il y a cette volonté politique. Le fait que la réforme de la DGTCP date, mais elle a été impliquée par le gouvernement actuel.
avec le ministre des Finances, le gouvernement, le Premier ministre sortant et le président de la République qui s'est impliqué. Même le fait que nous serions recrutés. Pourquoi est-ce que nous avons été recrutés par concours? Parce qu'on voulait que ce soit des personnes qui compétentes et surtout ayant une bonne éthique. Voilà, c'est l'éthique. Je crois qu'une grande partie de mon interview, on a parlé terriblement des finances, on a parlé, mais à un certain moment vers la fin, on s'est revenu vers l'éthique. Parce que vous pouvez être intelligent. On pouvait avoir les doctorats, vous pouvez avoir les maîtrises. Mais si vous n'avez pas d'éthique, vous êtes une personne dangereuse. Parce que là, vous aurez la compréhension de bien pouvoir flouer. Et je crois que nous, c'est à peu près ça. Et c'est ce que je retiens. Nous, c'est ce que nous essayons de faire. Éthique. L'éthique est très, très importante. Si nous ne sommes pas, nous n'avons pas une certaine éthique, un certain patriotisme, nous allons répéter toutes les bêtises qui ont été faites et la création de la DGTCP ne servira à rien. Alors, nous allons évidemment vers la fin de cette émission. Vous avez élaboré ici pour nous un premier bilan, un tout petit peu. Vous avez parlé de la capacité que vous êtes en train de vous doter, de la traçabilité, du contrôle de toutes les opérations. Et vous dites que vous êtes en train de valider. Alors, quelle autre action dont vous êtes fier depuis que vous êtes là? C'est vrai que les réformes financières prennent du temps. C'est vrai que les nouvelles habitudes, quand elles sont contraignantes, elles évoquent de la résistance, même inconsciente. Donc, nous pouvons comprendre que ça ne soit pas facile pour vous. Même si vous ne vous plaignez pas, mais nous savons que ce n'est pas simple. Ça doit être difficile, hein, surtout avec des gens qui ont été habitués à gagner des ressources de manière illégale et malhonnête. Ces gens-là résistent. Mais, à part ce que vous avez dit, qu'est-ce qui vous fait encore la joie? Quelle autre action qu'on peut retenir? Je crois que ce que nous sommes en train de faire actuellement et qui me donne peut-être pas la joie, mais qui me donne de l'espoir, c'est notre plan de déploiement. Nous avons fait le tour des provinces. Malheureusement, nous n'avons pas pu aller dans toutes les provinces, mais nous avons pu faire parce que, comme on l'a dit, nos activités sont au niveau national, provincial. Dans les différents voyages que nous avons faits à l'étranger, nous avons pu aussi vérifier nos stations diplomatiques pour voir comment est-ce qu'elles fonctionnent. Et là, maintenant, nous avons un plan de déploiement. Parce que la situation dans les provinces aussi, on peut faire mieux. Donc, moi, je crois que... Moi, j'ai espoir. Moi, sincèrement, je crois que j'ai espoir que... Il y a moyen que les finances publiques de ce pays puissent profiter aux Congolais. Dans d'autres pays, le trésor public, je vais donner un exemple à côté de chez nous, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, tout fournisseur de l'État est payé en dehors 30 jours. Sans connaître le DG de la DGTCP, sans connaître les directeurs. Sans demander à un général. La traçabilité. La traçabilité et le sérieux. Ça, c'est mon objectif. Je veux que le trésor du pays puisse contribuer à tous ces entrepreneurs, à toutes ces entreprises qui ont droit aussi de pouvoir travailler sérieusement. Parce que malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Parfois, des entreprises sérieuses ont peur d'aller vers l'État en disant l'État ne paye pas bien. Voilà. Et ça, c'est la dette intérieure... est un grand stock. Vous avez des petits points de connexion? Oui, nous avons avec la dette intérieure. Nous avons des grands points. Il y a eu une commission qui se tient au niveau du cabinet des ministères des Finances, qui nous réunit tous, qui parle de ces points-là. Parce que nous sommes juste au niveau du paiement. Mais voilà, c'est pour vous dire que nous, c'est ça notre but. C'est l'espoir qu'on veut. On veut que vraiment, on soit un vecteur de croissance et un vecteur d'avancement pour notre société. Vous avez contribué en tant que réforme en cours, nous l'avons appris, à la décision, à la réussite de la 6e revue. Et on vous a vu même un peu discuter avec le Fonds monétaire international. Cette réforme a quand même contribué. Et quelle est la perception finalement du FMI par rapport au pays en fonction de la création de la DGTCP? Bon, c'est difficile que je puisse parler des perceptions du FMI vu que ça serait difficile que je parle pour eux. Eux-mêmes pourront dire quelle est leur perception. Mais ce que moi je pourrais dire, c'est que le FMI et la Banque mondiale, qui sont les deux entités qui nous supportent dans cette réforme, ont mis beaucoup d'espoir dans cette réforme. Ils ont mis beaucoup d'espoir parce qu'ils savent ce que la DGTCP a fait dans d'autres pays. En Côte d'Ivoire, juste après la fin de la guerre, lorsque le président Ouattara est arrivé, là où le pays était scindé, qui a remis sur pied le pays?
c'est la DGTCP de Côte d'Ivoire. Ils ont mis un programme pour pouvoir payer tous les fournisseurs, mettre de l'ordre, récupérer les impôts. Ils ont une traçabilité. Donc, ça veut dire que la DGTCP, comme on l'a vu ailleurs, peut avoir exactement le même impact bénéfique ici. Parce que les finances publiques, c'est vraiment, nous tous, même si parfois on ne le voit pas, nous tous, nous sommes impactés par les finances publiques. Les finances publiques, ce sont les routes que nous construisons. Les finances publiques, ce sont les salaires des militaires. Les finances aujourd'hui, publiques. Aujourd'hui, c'est la gratuité de l'enseignement. C'est la gratuité de l'enseignement. La maternité. Donc, il y a énormément de choses que l'État fait. Énormément. Et nous, notre rôle, c'est de nous assurer que l'État a les moyens nécessaires pour pouvoir honorer toutes ses charges. Aucune réforme ne réussit sans communication. Mais j'ai l'impression qu'au niveau de votre structure, la communication, c'est les parents pauvres. Disons, vous savez, hein, comme on dit, on peut toujours mieux faire. Vous voyez, je suis devant vous aujourd'hui. Merci, mais vous savez, il a fallu batailler pour que vous veniez ici, parce que les hommes des finances, à part du ministère des Finances, du budget, trésor, etc., vous avez l'impression que les médias, ce n'est pas votre petit pain au quotidien. Non, il faut aller vers les médias pour vulgariser. C'est ce que nous allons faire. Vous savez, comme je l'ai dit, nous avions une année. Parfois aussi, on ne peut pas venir dans les médias pour ne rien dire. Il faut quelque chose. Voilà. Nous devions comprendre. Après comprendre, nous devions faire un plan. Nous avons nous retenir compte des réalités, gérer aussi les réalités. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Mais maintenant, je crois que nous sommes à un point où nous pouvons commencer à communiquer et surtout à demander le soutien. Nous avons vraiment... En tout cas, vous l'avez, sous ce plateau, vous l'avez obtenu des Géopolis. Nous avons comme ambition d'aller jusque dans les profondeurs de notre économie et quand il y a une réforme comme celle-ci, nous ne devions que la mettre à la surface et faire connaître les dirigeants parce que nous devons protéger les personnes, ressources qui sont encore dans le pays, qui comprennent les choses savantes et les finances publiques, ce n'est pas quelque chose de simple, il faut de l'expertise. En tout cas, je voudrais remercier le directeur général de la DGCTP, M. le professeur Maketa Lutete Thomas, d'avoir été ici sur ce plateau. Et je ne vous dis pas combien je suis heureux de l'avoir eu sur ce plateau parce que cette émission, ça fait quand même beaucoup de temps que je cours derrière. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous y sommes. J'espère que vous avez été content d'entendre, surtout de savoir qu'il y a quelque part, au-delà des clameurs, il y a des hommes qui travaillent pour que nos finances publiques soient saines et que la rencontre avec l'État par son trésor soit une rencontre mutuellement avantageuse. Vous, peuple, et l'État congolais qui reste un service à fournir. Mesdames et messieurs, merci. C'est la fin de chez mes critiques. J'étais donc très heureux de vous la présenter, cette émission. Je vous retrouve une prochaine fois, mais j'espère que vous allez me faire pression pour que je rappelle sur ce plateau mon invité qui m'a enseigné beaucoup de choses. Portez-vous bien, chaque jour est une vie, comme dit GMK. Portez-vous bien, à la prochaine.